place ici. Je vais maintenant faire une orientation. N'oublie pas de maintenir Shift pour faire le décalage à 90 degrés. Et à 15, je fais revenir. Comme ça. On met un Shift. Tac, tac. On est à 90 degrés. Comme ça. Et je tire. J'ai agrandi. Et j'ai agrandi. Donc après avoir fini avec ça, je retourne sur cette forme. Je vais déplacer celui-là vers ici. Et là maintenant, je maintiens contrôle pour cliquer là pour avoir cette sélection qui va me permettre de couper la ligne directement. Donc je reviens là. Je vais cliquer sur ce qu'on appelle masque de fusion. Donc je clique une fois. Vous voyez que ça donne cet élément assez intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, on va réduire un peu l'opacité parce que c'est pas assez intéressant ça. Et cette couleur, je vais mettre ça en blanc. Ok, augmenter un peu l'opacité à 90, c'est pas mauvais. Ok, donc actuellement on va aller chercher le logo. On va appliquer le logo. Ça c'est le logo d'une cliente. Donc là, les gars, je sais pas comment. On va incruster, ce qu'on appelle incrustation d'image. J'applique là. Donc sur cette forme, je vais créer un masque d'incrustage. Je fais ça. Je vais plutôt augmenter la taille des formes. Comme ça. Je vais réduire cette taille. Réduire. Pour qu'on ait un truc assez bien ajusté. Ok, donc maintenant il y a quelque chose qui cloche. Il y a, comme je le disais, tous mes trucs, il y a des petits trucs de code. Donc je vais déplacer juste celui-là vers ici. Et quoi que. Ok, donc au niveau de la couleur, on va prendre la même couleur. Cette partie, la même couleur que ça. Ok, super. Donc là, on a 5 informations à mettre. Donc dans un premier temps, ce qu'on va mettre, c'est le nom de la gérante. Qu'on va mettre peut-être Anne. On va essayer de... Elle s'appelle Flora. Elle s'appelle Flora pour une question de confidentialité. Un peu peur. Et là maintenant, en thème du style, je vais chercher une typo. Un peu stylé. Pour écrire le nom. On va se baser peut-être sur ça. Donc avec ça, ce qu'on va faire, c'est d'aller ajouter un contour blanc et une ombre portée. Donc on vient là, on va dans le style de calque. Pour ceux qui ne savent pas, on vient dans cette partie calque, style de calque, et on a contour. Ou soit pour faire double clic juste à côté, vous allez faire apparaître. Donc je clique là, je vais prendre la couleur blanche, je vais augmenter un peu
la taille. Je vais appliquer maintenant l'ombre portée avec une distance et la taille. Comme on voit, fais juste une petite distance grossie comme ça. Je vais réduire un peu la taille au niveau de l'ombre portée aussi. On va essayer d'ajuster et je valide. Donc après ça, on a esthéticienne, cosmo. Donc là, je vais aller copier les informations dont que j'ai reçu. Je crois que j'avais donné ça en exercice à l'un de mes étudiants. Flora, esthéticienne, tonton. Donc je copie toutes ces informations et tac, je retourne ici. Je vais maintenant faire une zone de test comme cela. Je vais coller toutes ces informations. Ensuite, on va prendre le Montserra pour faire tout cet ensemble. On va utiliser plutôt le bold italique pour avoir quelque chose d'assez intéressant. On va mettre ça ici. Donc on reste là comme ça. Je supprime là. Je vais tout mettre en noir. Faites très attention pour ne pas que là on sent qu'il y a, voilà, pour ne pas qu'il y ait trop de décalage, c'est-à-dire les trucs sont vraiment proches en fait. Donc après ça, maintenant on va rentrer dans les informations, les coordonnées plutôt. Donc le premier coordonnée qu'on a, c'est le contact WhatsApp. On va faire. Avec le panneau propriété, on va essayer d'arrondir un peu la bordure et on va mettre la couleur rose ici. Donc là, on va prendre le, on retourne si on a le WhatsApp qui est là. C'est à vous maintenant d'aller télécharger l'icône WhatsApp sur Google. Ça, je vais agrandir. Ok, c'est bon. Et je vais changer sa couleur en blanc. Et là, moi, j'ai pratiquement toutes les icônes dans ma bibliothèque Creative Cloud. Donc si vous avez une bibliothèque, ou soit peut-être si vous n'avez pas de bibliothèque, allez-y télécharger. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la page. Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Parce que si vous regardez une vidéo sans liker, je pense que voilà, ça, on se dit que ça ne vous intéresse pas. Et même si vous avez téléchargé la vidéo, n'oubliez pas d'aller liker, aussi de commenter. Voilà, là aussi, ça donne la possibilité et cette confiance à la personne qui crée le contenu, dit que ouais, ça intéresse les gens, ça intéresse, en tout cas, ce que je fais, ça intéresse. Donc il faut que je me concentre, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, voilà, pour aider encore plus. Mais si vous regardez sans rien faire, bon, je pense que ça sera comme un truc qui n'a pas impacté, alors que au fond, ça a impacté beaucoup de personnes et ça a permis à beaucoup de personnes d'apprendre pas mal de choses. Donc c'est encore plus intéressant quand vous apprenez aussi, essayez de liker
de vous abonner et aussi souvent de partager.